Peggy 18. Salut tout le monde, c'est Monsieur Nours, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Call of Duty Advanced Warfare. Et on se retrouve pour le 9e épisode, toujours cette bonne mémoire je crois. Donc le 9e, on clique tout de suite sur reprendre la mission. On était... posé un petit dispositif de pistage sur l'avion pour l'intercepter. Pour qu'on apprenne ce que c'est, ce petit manticore. Si Irons veut lancer une frappe quelque part dans cet hémisphère, nous estimons que c'est l'endroit idéal. Notre seule option est d'intercepter Pandora dans l'espace aérien international et de l'obliger à atterrir. Coordonnées du point de rendez-vous à suivre. Merci. J'ai une équipe qui se prépare. Cette fois, on y est, Cormac. Une attaque directe sur Atlas. Maintenant, vous n'agissez plus dans l'ombre. Voilà, il me semble que je vous avais pas mis la vidéo, la petite cinématique, donc voilà, vous en avez profité. Donc on est parti de chez Cormac, de chez Irons. On a mis un petit dispositif de traçage pour récupérer l'avion, pour savoir ce que c'est ce manticore. Si c'est un truc chimique ou pas, ça avait l'air d'être dangereux. Donc on va voir tout de suite à quoi ça correspond. Si la mission veut bien se lancer... Sentinelle 2-3, votre objectif principal est la cargaison. Le reste n'a pas d'importance. Affirmatif, Kingpin. Ok, c'est parti. Guardian 5 au point de largage pour sécuriser la cargaison. Sentinelle 2-3, terminé. Active tes grippes magnétiques. Allez, Mitchell. Ok, on est avec nos petits jetpacks. C'est parti. Voilà, on est sur l'aile de l'avion, faut qu'on le fasse atterrir. Ouais, j'arrive, on va y arriver. Voilà, on pose la charge. On va faire exploser l'avion pour qu'il atterrisse. C'est parti. Ah, même pas, ça découpe les ailes. L'avion s'incline. Ok. Ouf. Là, on a découpé les ailes et on va le faire atterrir tout doucement avec les parachutes. Ok. Pas mal, pas mal. Parachute déployée. La cargaison le suit. Ok, nickel. Bien reçu, Sentinelle 1. Guardian 5 est au sol, prêt à réceptionner. Ok, on a déjà nos collègues qui sont au point de largage pour le récupérer. Là, on a changé de vue par rapport à notre casque. C'est bleu, c'est tout ce que je peux dire. C'est bleu. Voilà, on est rendu sur le point de largage. Hop. Il en a déjà là pour exceptionner le bordel. L'équipe d'extraction a fait sauter la trappe arrière et récupère la cargaison. À toutes les unités, force d'intervention rapide d'Atlas en approche. Des capsules de déploiement se ils font vite. Sentinelle 2, chargez la cargaison. Ils ont fait vite. C'est déjà ça. Ouais. Allez. Allez, on fait un petit peu le ménage, ils sont beaucoup, hein, ces enfoirés, regardez-moi ça.
Donc on continue d'avancer, en tout cas. Faut pas qu'on perde cette cargaison. Hein. Ah non, mais quel con, j'appuie sur rond au lieu de faire carré. Allez, on a récupéré la cargaison, c'est nickel. Faut que tu décolles maintenant, faut que tu décolles. Ramène ça chez Sentinel. Ouh, shit. Ok, alors ce qu'il faut qu'on fasse. Ok, on n'a pas de... J'ai toujours tendance à me tromper. C'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. On est en Antarctique. Tout le monde va bien. Il fait très très froid. Et on est bien tombé de haut. J'ai fait un peu n'importe quoi hein, avec les. Avec les exosquelettes là. Bon sang. On est trop profond. Faut qu'on trouve le moyen de remonter. On dirait qu'il y a une ouverture par ici. Il en a la guerrière. Ok. On y va. Ça éclate les yeux. J'espère qu'on aura assez de munitions, parce que je pense pas qu'on puisse ravitailler dans ces grottes là. Allez, enfin ça s'est un peu lancé. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il fait froid. Enfin qu'on trouve vite le moyen de sortir, parce que à mon avis, on va vite ressembler. Allez. Pas de panique, c'est juste. À des poulets dans un réfrigérateur. La température est glaciale. Vous avez entendu ça? Oh là, il y a du monde. Ne tirez pas. Activité droit devant. Il nous cherche. Il nous cherche. Il nous cherche. Ils doivent se douter qu'on est encore vivant. De la gauche. Mitchell, abat les deux en haut. Quand tu veux, Mitchell. Sérieusement, vous avez besoin de moi pour... Ah, ok. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu la grenade, hein, c'est terrible ça. Je vois une issue par ici, continuez. Ouais, il faut des munitions, il faut des munitions. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Ça c'est pas bon, ça aussi. Il nous faut une grenade IEM. Oh mon flingue. Ben voilà, j'ai plus de munitions en fait.
J'ai plus besoin de munitions. Ouais, d'accord. Très bien. Comment allez-vous? Oh, regarde, il est même pas mort, lui, là. C'est terrible, ça aussi. Oh, qu'est-ce que j'ai mal visé. Sérieusement, quoi. Allez, on peut sortir, là. Non. Voilà, donc voilà, on a perdu notre flingue, et là, on va essayer d'être beaucoup plus rapide que tout à l'heure, parce que j'ai un peu attendu en regardant un peu ce qui se passait. Boum, voilà, c'est ce qu'on va faire. Du coup, par contre, voilà, on va descendre un peu plus. Ah, on doit remonter par contre, c'est pas du tout le sens, hein, c'est dans ce sens là qu'il faut aller. Hein. Faut qu'on remonte les gars, faut qu'on arrête de descendre. Plus on descend et plus il va faire froid et plus on va mettre de temps à remonter. Hein. On n'a pas vraiment le choix. Ah, non mais de toute façon, Ilona c'est Captain Obvious. Hein, surveillez nos arrières. Je peux pas surveiller les arias de Ilona, non? J'ai pas le droit. J'aurais préféré que celui de Cormac, quoi. Ah, on est dans... Oh, on est dans une faille. Ah, vous voyez le congélateur, je vous en parlais tout à l'heure. Allez, avance! Avance! Putain, il est pire que Gideon, lui. Surveillez votre jauge de température. Ouais, bah, c'est sûr que si tu restes comme ça, planté là, comme un débile... 3 degrés, hein. Allez, là... Allez, on est sous l'eau, il y a du monde. D'autres ennemis arrivent. J'ai récupéré un flingue en fait. J'ai même pas fait attention. Éliminez-les. Ah, il y a du monde là. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. J'arrête de me tromper avec les grenades aussi, ça serait pas mal. D'autres ennemis arrivent. Butez, et vite. On continue. Désolé Cormac.
Oh l'enfoiré. Ah, mais il reste pas en face de moi. J'ai mis du temps à le battre, à le tuer lui, à le battre. On les a eu. Je vois une issue par ici, continuez. Captain Obvious. Le retour. Ok, fail. Ah putain, on est dehors. On est dehors, la température est complètement folle. Il fait moins 12 degrés. Guardian 5, ici Sentinelle 2-3. Vous me recevez? Sentinelle 2-3, qu'est-ce que vous foutez? On est pris pour cible. Plusieurs morts. Demandons l'extraction immédiate. Le QG ne répond cette pas. Cette fumée, c'est sûrement l'hélico. Venez, il faut qu'on se dépêche. Attention, vous mettez les pieds. Le vent se lève. Contact droit devant. Des drones. Kingpin, ici Sentinelle 2-3. Guardian 5 a toujours la cargaison. Il se rapproche de sa position. Vous me recevez? Lance l'IEM, Mitchell. Excusez, Kingpin. Vous pouvez envoyer une extraction? On y est presque. Mais pourquoi on descend? Fallait qu'on monte. Ah, j'ai oublié d'amortir la chute. Contact, droit devant. Merde, ils ont la cargaison. Kingpin, ici Sentinelle 2-3. Guardian 5 s'est fait avoir et Atlas a récupéré la cargaison. On tente de l'intercepter. Bien reçu. J'envoie l'extraction à votre position. Je vais attirer leur attention. Abattez les cibles isolées, Ilona. Ouvrez le feu dès qu'on sera en position, Ilona. Quand tu veux, Mitchell. Il nous faut cette cargaison! Mitchell, il y en a d'autres près de la cargaison! Couvrez-moi! À gauche! Mitchell, il y en a d'autres près de la cargaison! Couvre-moi! Mitchell, il y en a d'autres près de la cargaison. Cible éliminée, plus de danger. Descends! Il faut qu'on continue! On doit pas laisser cette adapte décoller! Couvre-moi! Des ennemis arrivent de l'ouest! Venez! Il faut qu'on récupère la cargaison! Encore? Sérieusement, j'en ai marre là, j'ai déjà pris mon bain. Allez, remonte, dépêche-toi. Mais Gideon, fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Gideon? Atlas 1, au rapport. Ici Atlas 1. Juarez et Michael sont morts. Quoi? Ah, il est là pour nous sauver. T'aurais pu t'échapper de la nouvelle Bagdad avec nous. Et on serait pas plus avancé. J'avais trop de questions, je devais d'abord trouver les réponses. Irons compte lancer une frappe préventive contre les États-Unis. Il a créé une arme de destruction massive, une arme biologique. Et on est censé. Bah oui, on le sait, ça, Manticore. S'il voulait nous tuer, il l'aurait déjà fait. Irons a trahi toutes mes convictions. Je veux lui régler son compte tout autant que vous. Si on veut l'arrêter, il faut qu'on prenne cette cargaison vite. Ok, on est avec vous. Mitchell, Cormac, prenez ces stingers et mettez-vous hors de vue. J'aime bien les stingers. J'aime bien.
Atlas 2-1. Je suis prêt pour l'extraction. Je me suis occupé des agents de l'unité Sentinelle. Merci, Gideon. Vous avez de la veine. On allait partir sans vous. La cargaison est sécurisée. Affirmative, sécurisée et intacte. Visez l'appareil. Mais attendez mon signal pour tirer. Gideon, on voit plusieurs signatures thermiques. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne près de vous? Abattez-le! Cormac, demandez l'extraction! Mitchell, avec moi! Dépêche, Mitchell! Vite, ça va nous tomber sur la gueule! L'extraction est là! Ah, dépêche-toi, dépêche-toi! Je me suis planté! J'ai fait le double saut! Ah, j'ai oublié de... Et voilà. Je le fais avant de récupérer et j'ai complètement zappé le fait de... Allez. Ça va nous tomber sur la gueule. L'extraction est là. On se dirige vers vous. Saute, Mitchell. Voilà. Bon bah par contre le reste de Manticore, je sais pas si c'est perdu à jamais, hein, c'est enseveli, donc on peut peut-être le retrouver. Ouais. Bon bah voilà, cette mission touche à sa fin, on a récupéré qu'un point de l'amélioration par contre, donc bah on va rien pouvoir faire, puisque maintenant il nous faut 2 points pour tout améliorer le reste. Donc bah ça sera pour la prochaine fois je pense. Je pense que c'est par rapport au niveau des missions aussi, hein, vu qu'elles sont pas super longues et super difficiles, on n'a pas le temps de tout améliorer. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que en fait, les améliorations ça se débloquait par rapport au niveau d'XP quand on fait des headshots ou des trucs comme ça. Donc voilà, s'il y a plus d'ennemis, si bah, j'arrive déjà à augmenter mon gameplay, ça serait un petit peu mieux aussi. Donc bah voilà, on va lancer, on va quand même lancer la vidéo, tiens. On va lancer la mission. Voici Manticore. Et on va voir ce que c'est Manticore alors. Pour cibler des génotypes spécifiques. Si ton ADN n'est pas inscrit dans la base de données d'Atlas, t'es mort. Donc, s'il utilise cette arme en plein combat, ses troupes vivront, nous mourrons. Exact. Tout contact avec la moindre spore est fatal, même avec une combinaison. Il est opérationnel. Qui sait ? Mais vu qu'il a créé cet échantillon, il a peut-être déjà commencé la production de masse. Si c'est le cas, il faut savoir où et comment. C'est le seul moyen d'arrêter Irons. Le problème, c'est qu'Atlas a des dizaines de sites de production possibles. D'ici à ce qu'on trouve le bon, Gideon a une piste. T'es vraiment sûr de lui? Cette mission ne se fera pas sans lui. On n'a pas d'autre choix. Ah, Cormac a quelques doutes quand même sur Gideon. J'avoue. Il n'est pas venu tout de suite. Mais moi j'ai confiance en lui quand même. C'est un mec qui nous a formé au début. Qui nous a suivi dans toutes les missions. Donc moi j'ai quand même un peu confiance. Même si je me méfierais quand même un peu comme Cormac, mais peut-être un peu moins quoi. Et voilà, laboratoire en Bulgarie. Ça sera le prochain épisode. Alors moi, je pense que voilà, c'est ces lignes de stats qui font qu'on gagne des points d'amélioration ou pas. Donc vous avez pu voir une élimination tir à la tête, ouais, j'ai terminé. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai gagné un point. Et si j'arrive à finir... si j'arrive à finir les autres, ça fera aussi un point, je pense.
Je pense que c'est ça. À vous de me dire si c'est oui ou non. Si vous êtes vous au courant, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Moi, je vois que ça en tout cas, mais autrement. Mais après, voilà, c'est vraiment du en gameplay. Donc, voilà, il me reste. Bon, là, je suis à 715 sur 800, donc encore 85. 65 sur 80, donc encore 15 éliminations à la grenade. Et puis, bah, encore 4 renseignements à récupérer. Et puis, ça devrait être pas mal. On verra bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like si ça vous a plu, à partager la vidéo, à utiliser les commentaires YouTube si vous avez quelque chose à me dire, ou mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et ce sont affichés en même temps à l'écran. Puis ben, on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, passez une bonne semaine ou un bon week-end. Et à la prochaine. Salut, bye bye.